Putain. C'est de la Challenger 70, genre c'est vraiment un sous-marin le truc. Ah ouais, t'es en train d'essayer sous l'eau, c'est ça? Non mais tu sais, le petit lac là. Ouais. Il est encore. Je peux carrément rester dedans, il est meilleur que la 911 ou la 250 GTO. Ah d'accord. Je peux rester dans le petit lac pendant un petit moment parce qu'il est pas. Parce qu'à un moment ça reste, ça passe. Ça... Non, j'étais tout à l'heure, je sais plus où, non. J'ai dans la tête dans ta musique. Et pourquoi t'as mis ça comme musique? Parce qu'elle déchire. Hein? Parce qu'elle déchire. Bah ouais. Ok. Mais en vrai, il est pas mal de musique. Ouais, pas sur ton cul, hein. Dans l'MDR. C'est drôle, hein. Oui, c'est drôle, oulala, je ris. J'ai pété ma tête. Je chie dessus. T'es bizarre, toi. Quand tu parles de merde ou de caca ou de cul, c'est le premier, hein. Vive la bite. Voilà, il adore ça, la bite. Vive la chatte, mais... Mais ouf. Mais c'est bon. Ça y est, il est parti. Il a libéré, délivré. C'est pétomane. Oula, si tu savais ce que je viens de lâcher là. Ouf. Pardon. T'as pété? Oh. Non, non, non. Oh. C'est pas bon. La cochonne. Ah ouais, moi c'est la cochonne, mais alors vous, rien à foutre quoi. Non, nous c'est les cochons, c'est fermé. Toi c'est la grosse cochonne. Ah tu peux, toi, hein, c'est ça la me maîtresse pas de la tout. Cochonne. Toi, il faut la couronne de la cochonne. Si tu veux, ça me la dérange pas. La couronne de la cochonne, oui. Ça me dérange pas. Il pensait à un truc, bah ouais, je sais plus ce que je suis en train de penser. Oui, oh, oh non! Ça fort tard, les adolescents. Comme d'habitude. Comme d'habitude, je l'ai mis dans le cul, comme d'habitude. Ah bah, tu les mets où tu veux, hein. Il fait nuit. Alors, elle fait sans déconner. Thérèse, là. Pourquoi devenir ce soir? J'en sais rien. D'ailleurs, tu la connais bien. Ah bah oui, bien sûr que tu la connais bien. Organisation, j'ai vu sur ton live. Ça m'a rappelé. Quoi? Ouais, tu lui as parlé d'organisation, du coup, tu la connais assez bien. Bah du coup, ouais. Disons que j'ai failli lui foutre une amende quand elle arrivait là avec sa petite Peugeot. Donc du coup j'ai donné mon numéro parce que j'ai reconnu que c'était la Miss Miller là que le papa disait qu'elle allait arriver. Donc j'ai pris sa carte d'identité. Et du coup bah oui forcément, enfin je la connais pas bien mais voilà je la connais c'est tout. Mais j'aimerais bien la recroiser pour lui expliquer du coup 2-3 petites choses sur l'organisation et voir ce qu'elle pourrait faire pour recruter de nouvelles personnes. Ouais moi je veux bien. Je croyais que tu faisais rien d'illégal. Ouais, mais si c'est... ouais, mais voilà. Tu as découvert que cette organisation-là ne faisait rien d'illégal à part buter des gens. Bah si c'est bien, enfin si c'est bien pour les flics, je veux. Surtout bah, que je vais sur... pour les flics, t'as bien vu que j'en fais pas une partie, cher peu parlant. Bah justement. C'est pour ça, you want. De toute façon, dans tous les cas, comme je sais pas, RP, que tu es dedans, je vais t'envoyer un message si elle me recrute. Si elle te recrute, pourquoi tu m'enverras un message si elle te recrute? Bah parce que je suis l'indique. Ah bah oui. Donc tu vas me le dire. Oui. Eh mais tu sais que... Oui, vas-y, bah tu me le diras et puis tu verras bien ce qui t'arrivera. De quoi? Bah... Adieu petit enfant. Adieu petit enfant. Mais quoi? Tu vas mourir bientôt tout de suite maintenant. Bonjour. Ok. Salut. Bonsoir. Bah ouais. J'ai une question. Comment vont-je? Moi ça va et toi? Pas moi. Oula. Attends.
Donc bah dis-moi des nouvelles de moi parce que là je suis plus vivant. Quelqu'un répond à ma question. C'est quoi une proposition subordonnée conjonctif complément de temps? Oula, tu me parles d'un truc que j'ai appris il y a peut-être super longtemps là. On nous demande ça en troisième. J'ai posé cette question à un terminal. De quoi? Ouais. Une proposition subordonnée conjonctif complément de temps. Ouais, mais tu sais que quand tu as 28 ans et que tu bosses, t'en as rien à foutre après, hein. T'as diplôme et tout ce qu'il faut. Attends, je vais te dire, cette année je passe mon brevet, j'ai un pote à moi. Pourquoi tu stream sans prévenir? Bah, tu le sais. Bah, moi qui ai fini ça fait un an. Là, on est en stream là. Ouais. Regarde, maman, je passe à la télé. Oh. Pourquoi cette Lightman? Bah parce que ça a toujours été mon pseudo depuis depuis que j'ai arrêté la picouille l'attitude. Ah c'est quoi la picouille l'attitude? Bah c'était quand j'étais Kikou, mon pseudo c'était la boss, tu vois. C'est pour ça que Dabi m'appelle toujours la boss, c'est parce qu'avant je jouais super bien. Alors comment dire, et donc le brevet cette année, tu vois, ouais. Genre le deuxième collège d'une académie, c'est pas mal. Et le mec qui a 19 et demi dans un collège comme ça, c'est le mec, il est pas nul. Bah ouais. Bah non. Tu sais, c'est les collèges privés qui, genre, où t'as pas, où si t'as pas assez, si t'as pas genre plus de 17, tu dégages. Et donc, le mec qui a 19 et demi de moyenne dans le collège comme ça, qui est premier du collège, que le mec il sort de l'épreuve de maths en pleurs. Ah. Voilà. Quand tu vois, genre. Non, quand tu vois tout genre même dans mon collège, les premiers du collège sortir en pleurs, quand tu vois que la moitié des personnes dans ma classe, bon, la moitié des personnes dans ma classe, c'est des cancres, mais bon, la moitié des personnes dans ma classe ont du feuille blanche, tu vois que les profs de maths, c'était... Des sadiques. Pervers. Bah, comment dire? les profs de maths, c'était comment dire? C'est vraiment chialé? Oui. C'était au bout de leur vie, alors que c'est que le brevet, quoi. Attends, non, mais je te dis, dans ma classe, j'ai des filles. C'est les premières du collège, genre. Tu vois, les sixièmes, même les sixièmes, elles ont des moyennes plus basses qu'elles. D'accord. Les meufs, elles sortent avec 19,02 de moyenne, en général. Ah ouais. Ouais, je sais quoi, c'est un télo, là. Ouais, voilà. Et donc, ils te viennent avec ça. Et là, tu les vois sortir. T'as deux rires grandés qui se sont formés sous leurs yeux. Ah d'accord. Et t'as deux fleuves sous les yeux, c'était... Les meufs, elles sont en train de décéder leur vie. Genre je te jure, j'ai écrit un truc sur le groupe de la classe. Attends, je te lis le Moi message. Le brevet, moi c'était l'année, c'était la dernière année, je sais pas. C'est la dernière année où il faisait l'histoire des arts, tu sais. Merlin, tu l'as fait, toi. Moi, j'ai fait les trois matières, moi, en fait. C'était maths, français, et je sais plus c'était quelle autre matière. Histoire géo, et puis c'est tout. Voilà. J'avais pas l'histoire des arts, j'avais pas le reste, heureusement le reste. Alors, je t'explique. Ouais. Maintenant, comment est-ce que c'est fait? Déjà, le brevet, c'est sur 800 arts, points. Même. Attends, je t'explique. Aujourd'hui, comment est-ce que c'est fait le brevet? C'est sur 800 points. Déjà, t'as 400 points, donc la moitié de la note, c'est le contrôle continu. Mais en vrai c'est simple d'avoir des points. Hein. Il y a des mecs qui... contrôle continu. Moi je veux dire, ouais, les brevets continue. C'est du pipi de chat, ça a toujours été du pipi de chat, ils sont en train de te compliquer. Ah ouais, quoi, les brevets c'est éclaté sous le sol. Après t'as 100 points en oral. En oral tu peux présenter ce que tu veux, tu peux présenter de l'histoire des arts, tu peux présenter un truc du parcours à venir, donc c'est en gros un métier, ton stage, etc. C'est de la merde. C'est comme avant, quoi. Mais en vrai, vous êtes en train de paniquer sur un brevet. Le brevet, genre, ça vous apporte rien dans la vie. C'est de la grosse merde. Et puis, genre, il y a R, tu vois. Ouais, vous passez le bac, genre, là, je comprendrais, mais. Sauf que derrière, t'as les parents. Brevet. Ouais, les parents. Moi, brevet ou pas brevet. Moi, c'est ça. Moi, j'avais quoi? J'avais 9 de moyenne et j'ai. C'est te dire. Mais bon, j'ai fait avoir une mention, donc, genre, je comprends pas. Quand t'as 17 de moyenne, c'est différent, tu vois. Ouais, pendant que t'as pas le brevet, ouais. Là, c'est les boules, là. Moi, je suis dans un collège normal comme tout le monde et. Bah, moi aussi, je suis dans un collège normal. Le brevet, j'ai fait le con toute l'année, j'ai rien fait de toute l'année et. Ah bah. Et le brevet, je l'ai eu, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, si, heureusement, quand même.
Moi je suis dans un collège collège public, mais ben, genre je me débrouille bien. C'est pas normal, c'est normal. Le seul truc où ouais, le seul truc où je fais de la merde, c'est en français parce que je suis pas français. En gros, je parle bien, mais voilà, tu me demandes genre identifie le COD dans ce que je fais. Quoi? COD. Toto qui servira même pas plus tard. C'est ça, mais je suis désolé. On t'apprend ça. Oh, on va étudier les textes de Victor Hugo. Qu'est-ce qu'on s'en bat des couilles? Au bac, ils enlèvent les maths. Mais par contre, la philo, là, on la garde. Ah bah. Mais les maths, c'est super important, putain. Faut bien que t'apprennes à compter, quoi. T'en as, ça vient pas calculer un putain de pourcentage. Tu trouves ça normal, toi? Pour une TVA ou un truc comme ça? Mais laisse tomber, il va vraiment rendre les gens abrutis, hein. Mais ah, pour la TVA, ouais, c'est marrant, ça. Au brevet, enfin pas au brevet, au bac, ils t'enlèvent les maths, mais par contre, la philo, on la garde. Ça sert à rien, la philo, putain. Merde. Ça sert à rien, la philo. Ça sert à quoi, la philo? Oui, d'accord. Arlé, tu sais, la SVJ, là, devant le concessionnaire, tu sais, la vente automatique, là, je sais pas quoi, elle se vend à 550 000. Bah, c'est bien. Bah ouais, mais je vais pas la vendre. Bah non, tu la gardes, t'es con. Bah oui. T'es con si tu la vends. Mais non, je vais la garder. Harley ? Oui. Mais Thierry, qu'est-ce que tu penses des véhicules que j'ai envoyés, c'est pas possible de les mettre ? Si, c'est possible de les mettre, mais il y a beaucoup trop de véhicules et puis il y en a la moitié où ils sont déjà dans le truc. Ouais. En remplacement des véhicules, parce que quand tu regardes les véhicules en jeu et ceux-là, déjà par exemple le Kangoo, au moins il tourne, hein ? N'est-ce pas ? Parce que le Kangoo. Non, t'as pas vu le Kangoo qu'on a en jeu ? Mais oui, je le sais, oh là là, c'est moi qui l'ai mis. Mais même un putain de ferry, ça tourne plus vite. Genre, tu prends un ferry, tu fais un demi-tour, ça te prend 800 mètres. T'es tranquille. Mais c'est pas RP ! Monsieur les RP. Tu vois, même lui, il le dit. Est-ce que t'as vu ne serait-ce qu'une fois dans ta vie des gendarmes en 4L ? Bah ouais. Où ça ? Il y a 50 ans. Au jour d'aujourd'hui. De toute façon, les prochains véhicules, ils vont. Mon papa. Non, mais est-ce que t'as vu ne serait-ce qu'une fois, même après 2010, des gendarmes en 4L ? Ouais, non, sauf s'il n'est pas en service et qu'il a une 4L perso. Une 4L gendarmerie. Moi j'en ai déjà vu une au musée de la gendarmerie, mais bon, voilà, au musée de la gendarmerie de Saint-Tropez. Ouais, ça existe, ouais. Saint-Tropez ? Ouais, Saint-Tropez, ouais. C'est bien. C'est bien, c'est beau. C'est pour les riches. Non. Enfin, Saint-Tropez même, oui, mais autour, non, ça va, ouais. Si, c'est pour les riches. Là-bas, il y a que des villages, il y a l'Est, c'est la merde. Perso, pour quelqu'un qui habite dans le coin, je te dis que en vrai ça va. Pour quelqu'un qui a déjà habité à Paris, où tu vois, même en banlieue, t'acheter une maison, ça te coûte. On va dire, dans les campagnes, tout ça, ça te coûte 300 000, mais un peu plus proche, c'est à 500 000. Proche des transports, c'est 500 000 pour une maison. Ici, 500 000, tu t'achètes une maison. 200 000, tu t'achètes un appart. 200. Mais c'est moins cher qu'à Paris, c'est ça. C'est waouh, mais le sud de la France, c'est pour les riches. Non. Non, c'est pas vrai. Justement, le sud de la France, c'est pas pour les riches, justement. Non, tu fermes ton bouche. T'es qui, toi? Pas riche, nous, au sud de la France. Même si je me balade dans l'ombeau tous les jours, je suis pas riche. T'es d'où, Thierry? Je suis du sud de l'Allemagne. Non, comment dire, de l'Aude. Donc, Sillon, C'est au milieu, là, non? C'est au milieu? Non, c'est vers... Moi, je suis en Occitanie. Vers la frontière espagnole, Perpignan, Carca, ouais, Montpellier, dans cette zone-là. Mmh. Ok. Enfin, même pas Montpellier, parce que Montpellier, c'est héros, donc... Montpellier, c'est déjà c'est beaucoup plus proche. Moi, je suis en Occitanie, je suis donc Tarn-et-Garonne, par exemple, Toulouse. Moi aussi je suis dans le même secteur, ah. Sauf que moi c'est plus sud, c'est sud. Bah moi c'est c'est toujours au sud, c'est toujours la mer à côté, mais
Mais il faisait qu'à aller vers la droite. Vers Nice, tout ça. Bah, genre, tu vois Saint-Tropez. Ouais. Tu vois Cannes. Tu vois Saint-Tropez, ouais. tu vois Cannes, où c'est mm. J'habite pile entre les deux. Tu peux débloquer mon véhicule, Thierry. What the fuck, mec, y'a un véhicule retourné là. Encore vais... Mais t'abuses, vais... putain. Merci. Je vais une heure vers l'est. Je suis à Cannes, une heure vers l'ouest. Tu prends le cargo Bob. Ouais, je vais faire ça. Attends, je reviens. En fait, non, avec un cargo Bob, je peux pas parce qu'il est coincé, donc je vais prendre un gros véhicule. Tu prends un gros véhicule, tu le pousses et après tu vas prendre un cargo Bob et tu le retournes. C'est pas compliqué quand même. Ah là là, c'est jeune, il faut tout leur apprendre. Hein. Bah, bien sûr. Bien sûr, ouais. Bah ouais. La preuve, tout à l'heure. Tu viens de faire tirer ta... Et tu l'as pas mis leur nouveau camion, là? Hein? Non, j'ai tu pas, pas mis leur... Prochain reboot, ce sera fait. Moi, je veux juste le tester, parce que je l'ai pas mis, mon nouveau camion, du coup. Ah, t'as pas eu l'ID? Ah non, faut que je te le donne. Non, il manque la moitié des ID de tous les véhicules. Mais faut que je mette à jour, j'ai pas le temps de mettre à jour. Donne-moi l'ID pour voir du véhicule, je vais le tester. Je vais te le filer, attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Slash migrosscouille.fr, n'est-ce pas ça? Ah merde non, si tu veux, un jour j'appellerai. J'appellerai un véhicule migrosscouille si tu veux. Y'a pas de soucis. Voilà, c'est ça l'ID. Mais je le ferai, okay, hein. Je le ferai. T'as vu, t'avais une GTR de police? Ouais, j'ai vu. T'inquiète, j'ai créé. Oh ouais, d'accord. Oh, merci, Mams. Voilà, je vais retourner. Bah, tu vois comme tu oh, c'est gyrophare, sa mère. C'est quand la prochaine fois que les véhicules sont ajoutés, du coup? Bah, le week-end prochain, tu le sais. J'ai dit que je ferai des tests tous les week-ends. Ah, c'est vrai. Et moi, j'oublie vite. Pas mon problème, c'était plus vite. Mais il est bien le véhicule, hein, il est joli. Hein. Ouais, il est joli. Ah, tu l'as sorti en rouge. Tu sais que celui-là, il peut pousser des camions normalement. Normalement. On va tester, tu sais quoi. On va faire le test. T'en fais spawn un autre, tu regarderas. C'est qui le connard avec. Ah non, c'est toi, pardon. Avec ta Porsche de pourri là qui s'est encore retournée. Comment ça, c'est qui le connard? Pardon. Mais il y a une Porsche qui m'énerve là. Elle m'énerve ta Porsche. Hein. Mais je vais t'enculer toi. Ok, ça bon après ou pas, allez. Ah bah, et de toute façon il va devenir flic alors. Mais le problème c'est qu'il n'y aura plus de mécano en ville, hein, si tu le tues. C'est vrai. Bon du coup, slash... Car, on va tester avec celui-là. Tiens. Va me casser. Putain mais ça tu. Casse les couilles. Vraiment tu casses tes couilles. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah il crève les deux des véhicules. Et du coup il est mort, du coup m'a repé sur lui, ok. Ok, m'a repé sur lui, ok. Pas de soucis, j'efface son perso tout de suite. Dès que j'ai atterri, j'efface son perso. Ok. Ah, il a dit ok en plus, hein. Hop. Alors. Je t'ai niqué mon véhicule encore, toi. Ouais, bon. Bah, t'as dit tu de pousser. Pas le chercher aussi, hein. Je me suis dit, il m'a écrasé, là. Allez, je rentre dans ton hélico. Non, tu touches pas à mon hélico, sinon tu te prends une balle à la tête. T'es pas gentil. Vraiment pas gentil, hein. C'est sûr qu'il marche son crochet. Ah ouais. Oh putain, mais ça marche bien bien mieux. Ah ouais, ça marche beaucoup mieux que l'autre, hein. Celui-là, il fait pour tirer des camions. Mais je m'appelle Abdel. Qui est en panne. Mais il remarque son camion qui est en panne. Voir s'il arrive à tirer. Une remorque sur le camion qui est en panne, t'attends. C'est quoi la digne d'une remorque du coup? J'en sais rien. Bah, tu veux qu'on lui tire dessus sur ton camion? Non. J'ai juste le. Ah ouais,
Mais il est toujours pas en feu le camion là. Bah non, il a pas explosé. Abdel, sors du camion s'il te plaît. Il va... Ah. Mais putain, mais ils font chier ces mecs. Ouais, casse-toi. Mais niquez-vous. Mais non, mais il tire pas dessus. Mais il était déjà mort en fait. Non, c'est toi qui m'a tiré dessus. Non, il est déjà mort. C'est pas bien de mentir, Abdel. C'est pas bien il était déjà mort après. C'est pas bien de mentir. Je t'ai vu le tuer en plus. Vas-y, vas-y. Je t'ai vu le tuer. Non, m'oblige pas à faire feu. Non, je te jure, si je fais feu, c'est mort RP là. Je te jure que si je fais feu, c'est mort RP. Là. Regarde, elle me vise encore. Non, je t'ai vu. Après, elle dit ça. Tu crois que je t'ai pas vu? Je te mets une tarte. Allez, hop là. J'ai sauté, ouais. Non, mais cherche pas la merde avec la police. J'ai sauté, c'est le mot. Fais dodo un peu, ça te fera du bien. Non, il me faut, parce que sinon je spawn sur mon arme. Et tu vas devoir me rendre. Ah, je te rembourserai rien du tout. Hein. T'as cherché la merde. Bah, faut me réveiller les gens. Ah non, pas du tout. En vrai, c'est ce qu'on va faire, on va faire plus simple. Tu te rappelles la dernière fois, ça pouvait pas pousser le fantôme? Ouais. Bah, on va essayer de faire spawn un fantôme et on va voir si ça le pousse. Mais pourquoi tu spawn pas une remorque? Je sais pas faire spawn une remorque, je connais pas Eddie. Bah, y'en a plein en plus. Bah, attends, mais je peux voir ou pas? Bah, tu peux le voir, non? Non, là, je suis mort, là. Je vois rien. Je te vois avec ton hélicoptère. Oh putain! Mais je vois rien, s'il te plaît, ça pousse. Non. Si! Thierry, tu peux voir, Ivaï? Mes couilles. Allez, on y va. S'il te plaît, c'est Revive 11 en fait. Merde! Ah, il fait le con. T'as de la chance qu'on est que 3. Hein. Ouais. Mais putain! Il était bien couché. Ça pousse un fantôme 2 du coup? Bah ouais, ça pousse, regarde. Bon, on va tester. Allez, je vois le fantôme là-bas, moi. Bah laisse-le là-bas. Caché. T'es sûr qu'il va y avoir... Il l'a chopé? Ouais, il a pas chopé. Ouais, il avait chopé. Je crois qu'il avait chopé. Bah... Ouais, il a chopé. Mais il l'a chopé là. Vas-y, vas-y. Ouais, il a chopé là. Ah bah là, il a plus. Je crois que les fantômes, ça va être mort. Hein. Bah, pousse. Regarde. C'est encore plus facile que l'autre. T'as vu, regarde ça. Ah ouais. Mais tu peux le lever au moins. Il tire deux fois plus, il tire deux fois mieux que l'autre. Par contre, Brahms qui se décroche, mais... Là, c'est avec l'autre. Ça, c'est dans les propriétés du véhicule, ça. Je peux le conduire ou pas le fantôme? Non. Ok. Je vais le saisir. Mmh. Ah, je veux que je le fleurière. Du coup, ça peut pousser, du coup, même avec une remorque, 100% ça le pousse, hein, avec le camion. Ça va pas marcher, regarde, je vais te montrer comment on met en fourrière. Faut rentrer dedans, regarde. Sans le slash DV, hein. Tu rentres dedans et tu mets en fourrière. Voilà. T'as même pas le temps d'entrer. Dès que tu rentres. C'est nickel, pas. Ça fonctionne. Mais j'allais pas te taper, hein. Oh là là, comment elle a pas confiance. Hop, voilà. Ah moi aussi, attends, je monte. Non, tu montes pas. Ok. Pourquoi tu voudrais monter? T'as aucun intérêt à ce que tu montes. Attends, je vais faire un super saut et je vais rentrer. Tu veux venir voir le corps des gitans? Hein? Tu veux venir voir le corps des gitans? Non, moi je vais voir. Moi je vais voir, j'ai pas vu. Allez, mais moi je vais voir. Je vous emmène voir le corps des gitans. Allez. Elle va se crasher, on m'aurait RP à 3 là. Jamais! Avec moi, tu risques pas. Ouais. Jamais, je te dis. Aucun risque. Ah, donne du trottinette avec ta Porsche, elle est sur mes écoutes, tu vois, donc. Non, mais laisse ça, sa Porsche. Ma Porsche, elle est dans la fourrière. Elle est. Dans mon truc. Le camp des gitans est devenu désert depuis qu'on les a expulsés, c'est génial ça. Ok, je vais devenir un gitan. C'est faux, je rigole, hein. Moi, gitan, jamais. Pourtant, t'as la voix pour un. Bah, toi, tu deviens pas hardcore et que t'abuses pas de certaines choses, moi je m'en fous. Mais du coup, vous avez fait la. Comment ça s'appelle?
La réunion pour le deuxième compte modération? Non. Moi j'attends, hein, j'attends que quelqu'un dise quelque chose. Hein. Moi je l'ai écrit, enfin, je regarde si ça toujours, c'est toujours d'actualité ou pas. Si ce l'est pas, je m'en bats les couilles. Si ça l'est, bah, il faudra que je file leur Steam ID admin pour que je puisse faire ce qu'il faut. Et moi, je suis pas une maman qui pourra passer pour ça, si ça les intéresse pas, je le fais pas, hein, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Bah, j'ai vraiment la femme de créer un deuxième compte dans les mais comptes. Mais il était loin l'heure quand même. Bah, donc, là, il est pas loin d'un autre repère que je ne dirai pas le nom, mais. Mafia, ouais, il est dans le trou du cul du monde. Il était pas loin du garage du Nord en fait. Ça, pour eux, c'était avantageux, c'était très avantageux d'acheter ce garage. Il était pas loin de la prison aussi. C'était avantageux pour vous. Si on aurait des esbusqués RP parlant, ouais, c'est clair. Je m'approche bientôt. Je le vois déjà, moi. Et c'est en bas, là. Ouais, c'est pas long, regarde. Bah, je vais atterrir à la piste d'atterrissage pour Gitan, là. Ah, ils ont carrément ça, eux. Ah ouais, ils ont fait un truc abusé, hein. Mais le problème, c'est que ce camp-là, il a de très gros défauts. C'est dommage qu'il n'y ait pas pensé. Moi, j'ai rien dit, parce que moi, ça m'aurait avantagé, mais... C'est quoi les... Ah oui, les montagnes. Non, c'est pas les montagnes. Il y a deux points qu'ils auraient dû revoir. Si j'avais été digital, j'aurais jamais laissé passer un truc pareil. Mais jamais. Mais c'est quoi? Les murs, ils sont trop bas, on peut les escalader facilement. Et deuxième point, je dirais pas, je me tairais. C'est bien pour le sniper. Oui, ah non. Ouais. Il manque juste une petite chose pour un sniper. Mais c'était le deuxième point, oui, effectivement. Ouais, je suis trop fort. Ils ont un avion crashé, eux, d'où? Ils ont même un jet. Ils ont même des lingots d'or, ils ont des cadavres, ils ont tout ce qu'il faut. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour eux. Tout. Ils ont même des bateaux. Allez, qui fait du jet ski? Ça va, Thierry? Ah, moi aussi, j'ai un sniper. Ah, bah non, je l'ai pas eu, what the fuck. T'es monté à l'avant ou à l'arrière? À l'arrière. Ah, c'est bizarre là. Ah, je peux le tuer ou pas? Non, tu tues pas. Non. C'est pas possible. Ah ouais, c'est quoi cet endroit là? Y'a que des. Ouais. Ouais. Mais d'où les gitans ils ont ça? Oh putain, ça va. Ok. Mais d'où les gitans ils ont tout cet argent, etc. Ah oui, si tu savais. T'as même des momies qui traînent et tout dans les coins. Mais les gitans ils ont jamais eu ça. Bah, ils ont pas pu en profiter, on va dire. Ils ont fait que de la merde, c'est tout. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Et ils ont foutu la merde. On y va? Où ça? Bah, je sais pas. Non, mais viens voir un truc là. Je sais pas où. T'es où? Moi, j'ai à côté de l'hélico. Ah, y'a un hélico mort là. Ouais, il y en a plein. Je suis à côté de l'avion, le gros avion déchiré là, l'autre. Déchiqueté, pardon. Ah, t'es là, coucou. Y'a une caravane ou y'a un cadavre dedans? Je sais plus, c'est... Ah, c'est celle-là, je crois. Ouais, c'est celle-là. Regarde, par terre là. Et c'est qui? Ouais. Y'a tronçonneuse et tout. C'est toi ça, Thierry. C'est toi, ancien Thierry. Arrêtez de vous taper dessus, putain. Ah, mais vous êtes vraiment pas possible, hein. Bon, bah, mais comment tu fais pour... Laisse-le tranquille. Stop. Il s'est arrivé, il m'a buté, pardon. Putain. Oh, j'ai mangé les deux, là. Oh, non. Regarde, il va pas me voir, je suis caché. Cala. On est d'accord, ici, il me voit pas. Si, il va te voir. Non. Tes souhaits. Ah, t'es coupé ou quoi? Il y a un BMX. Si, y'en avait qu'un. C'est là-bas où il y a eu tous leurs lingots d'or là. Je sais pas comment ils ont eu ouais, ça. Dans l'entrée, ouais. Mais pourquoi tu me butes au sniper? Mais putain, mais arrêtez de vous entretuer, merde. Mais quoi, y'a rien? Et pourquoi tu me butes? Bah t'es mort. Ouais, vas-y, revive-moi là.
Non, laisse la un peu. Hein. La TM ici fonctionne. Ah, je sais, j'ai vu. Ouais, il s'est chié dans la texture du fond. Hein. Là, ici, on voit que c'est transparent. Putain, il aurait dû mettre un truc sur le cache. Dégueulasse. Oh, il y a un cadavre par terre, t'as vu, c'est bien fait, ils ont rajouté un cadavre par terre là, ah, t'as ouais, vu ouais, ici. Je vois ça. Ouais, celui-là il est super. C'est bien fait, hein. Ouais, non, bien fait celui-là. Ouais, j'avoue. C'est d'origine, hein. Putain. Putain, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ils sont gravés. C'est cool. Moi aussi. Alors, est-ce que. Moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Oh, mais il y a plein de types ici. Ouais, tu sais qu'il y a des momies aussi au fond de la décharge. Des momies. Ça c'est ouais, Damien. Des momies. C'était Rox, Star. C'était Rox. C'est moi. Oh, pardon. Il va avec moi, tout. Ciao, à bientôt, hein. Vers la souris, momie. Ah, attends, je vais te montrer. Je sais qu'elles sont dans un. Là-bas. On peut prendre l'avion, là. Ah, pas. Non, on peut pas, ça a été figé. Elle est dans quel conteneur? Elles sont dans un des conteneurs là, qui est au fond. Faut chercher. Ah ouais? Yep. Tu sais, quand je m'étais baladé, je les avais trouvés. Tac, 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 tac. Le lance-missile qui est là. Eh, mais vous me revivez à un moment, hein? Bah, hein? Ah merde, on l'a oublié lui, non? Vas-y, là, on laisse comme ça là. Ah ouais, c'est un lance-missile ça. Wouah, sa mère! Mais oui, laisse tomber, vas-y, ce qu'ils ont récup, quoi. Ah, c'est là les momies. C'est bon, je les trouve avec les déchets radioactifs. Les momies. Oh, je les ai recassés. Les momies. Si. Les momies. Qu'est-ce que tu fais avec un fusil sniper sur le dos, toi? Bah, écoute, c'est le tien. Hein. Je l'ai récupéré. C'est avec coupé. Celui qui m'a buté. Là, regarde. Ah, oh, une momie. Deux momies. Une momie. C'est marrant. Oh, il y a un putain de missile, c'est mort ici là. Ça va si je le fais péter là? Oh putain, je me casse alors. Non, je vais essayer de la figer, peut-être qu'il explosera pas. Là, t'as un radar ici. Ah non, c'est un minigun. Oh non. C'est un minigun, ouais. Où est-ce qu'on peut poster des mèmes? Bah, dans l'image vidéo HRP. Est-ce qu'on. Genre. Les momies! Genre, si c'est un meme comme ça, est-ce que je me fais ban? Comme c'est ça, drôle, comme mais. Ça veut dire quoi ça, meme comme ça? Bah, regarde, c'est drôle, mais bon. Oh la connasse! Quoi? D'où tu m'insultes alors que je t'attends? Non. T'as démarré l'hélico sans moi. Ah non, ça c'est bon, ça, je m'en fous. T'as démarré l'hélico sans moi. Y'a le cadet qui arrive, y'a plus besoin de tirer. Le cadet. Le cadet. Ah ouais, c'est ici le. Le cadet, il rentre dans la gendarmerie. Il fait bon bah, bienvenue, voici là où vous avez votre tenue. Bon, maintenant vous montez dans l'hélico, vous allez tuer une personne. Ah oui, bah ouais, c'était en urgence, désolé, ouais. Faut que je te forme sur le reste. Ça, c'est on peut aller à mon appart pour lui montrer pour qu'il s'aime. Tu veux qu'on fasse quoi? On peut aller à mon appart, s'il te plaît, faut que j'aille visiter mon appart. Vas-y, mets le point. Précisément. Bon, c'est bon, je suis m'énerver. C'est celui-là. Ici, ici, ici. Par là. Ok, ouais, je sais, c'est pas. Il y a plus d'atterrissage celui-là. Ouais, je sais qu'il est long de la mer. On y va. Thierry. Du coup, moi, ce que je proposais, c'est d'ajouter les véhicules en Amérique qu'il y a pas, que j'ai envoyé qu'il n'y a pas sur le serveur, et les véhicules qu'il y a, genre vérifier en fait les deux versions, la meilleure version, on la laisse. Et... Enfin, ça c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, faut en voir avec Harley parce que c'est pas moi qui ai les logs du serveur, donc. Harley. Où là, vous allez où? Oui. Tu peux ajouter les deux véhicules gendarmerie. Ce week-end. Allez, là, regarde, j'ai mis le point presque pratiquement dessus. C'est ça ta villa là que tu as acheté? C'est ma maison que je vais acheter. Moi je l'achète avant toi. Ah, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. T'as combien sur toi? J'ai 5 millions. Mais en banque, j'ai. Mais dans mon livret, j'en ai 15. Eh, y'a des livrets? T'es vraiment un mytho toi, hein? Comment on fait pour accéder à un livret?
Il faut que t'appelles le banquier. Damien. Ah, chez moi, chez moi. Attends, mais pourquoi j'ai toujours pas de sniper là? Oh, tu veux me taser, c'est ça? Non, moi je tasse personne, moi. Je tasse que les méchants. Bah ouais, là, je suis pas méchant. Comme ouais. Moi par exemple. Bon. Si on fait comme ça là. Bon, on tombe dans l'eau. Il est pas mort en plus ce con. T'as qu'elle est belle hein. Et comment on rentre? Elle ouvre la porte en bah, fait. T'as la porte d'entrée hein. Par contre en fait t'as des cailloux. T'as des... Attends t'as des cailloux dans le... Faudra mettre les points, j'avais vu, faudra mettre des points. Ouais. T'as des cailloux dans la maison, c'est normal ça. Est-ce qu'on mettrait un point pour les pour j'ai un garage pour que j'ai un spawn de véhicule ou pas du tout? Ouais mais tu vas aller sortir comment vu que tu peux y accéder que par voie aérienne, tu vois, c'est ça le truc. Moi j'ai bien fait des points mais... Annihilator alors du coup. Voilà. Ah, un truc pour mon hélicoptère du coup. Ça oui je peux faire. Oh t'as un PC ouais. Ah non c'est pas un PC. Je te mets le garage ici là. Ici tu sors le véhicule bah... ici mais bon tu es obligé de faire du off-road ouais. Quoi. Comme y a pas bah... Il y a de l'eau carrément dans ton truc, mais c'est quoi cet endroit? Bah ouais bah c'est décoratif quoi. C'est classe. Et vous êtes où vous là? Bah on est en haut. On est dans le garage dans le garage où je fabrique mes quads cheatés. Allez, on y va. Elle est petite, mais elle est bien. Ouais, sympa. Je vais essayer le Kangoo aujourd'hui. Oh putain, bon courage. Bon bah le mécano, je pense que je vais te déposer, hein, parce que... C'est quoi les véhicules fourrières? Le véhicule fourrière, bah c'est le véhicule où tu peux ramasser les véhicules, enfin les véhicules qui sont abandonnés ou autres. Pour les mettre ouais, à la fourrière. Comme ça t'évite de faire l'action. Ah oui c'est vrai, la salle de bain, putain, à chaque fois. J'ai oublié la salle de bain. C'est plus RP si tu ramasses le véhicule en fait avec ce véhicule là que tu, si tu fais F6 ce fourrière quoi. Ah ouais, trop classe. Par contre les chutes elles sont dégueulasses. Hein. Faut que tu les nettoies. Fais voir. On dirait que tu les as utilisées, tu les as pas lavées pendant au moins je sais pas combien de temps. Ah non, elles sont super propres mes chutes, elles sont blanches et tout. T'es fou de ma gueule? Oh putain, l'extracteur de soda. Vraiment. Wow. Putain, t'as vraiment la mer à portée de main, de vue. Ah, t'as que ça, t'es mis à la limite, vraiment. C'est bien. Oh, c'est beau. Moi, je veux la maison. The fuck, c'est quoi ce combo bugué en vue première personne? Ah ouais? Ouais. T'as essayé ou pas? Le Kangoo en première personne, non? Par contre, le compteur électrique dans la flotte, c'est un peu chaud, ça va en route. Bah, je suis prêt, tu risques d'avoir des problèmes électriques, c'est tout? Oh! Je vois le véhicule là. Ah, bah, à mon avis, c'est waterproof parce que si c'est là, c'est que le véhicule, monsieur, désolé. Oh, j'ai une bande d'arcade pour jouer. Bon, bah, aujourd'hui, je suis la police municipale, j'ai croisé un beau véhicule, police municipale. T'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est véhicule molle du flic. Mais. Avec pas mal d'appart. Viens, on va lui montrer le deuxième appart. Bah, il doit pas être bien loin, je crois qu'il est un peu plus par là, c'est ça? Non, il est juste là, ouais, voilà. Tu continues à longer, tu